On traîne, traîne aujourd'hui encore le, le boulet, la contre-image du dopage dans notre sport. On a un peu trop systématiquement le, le retour que cyclisme égale dopage, alors que les statistiques montrent que ce n'est pas la réalité. Le passé ne parle pas pour nous, mais je pense que ce qui est fait aujourd'hui parle pour notre sport. Effectivement, il y a beaucoup de, de grandes marques. Sportives ou extrasportives qui n'osent pas aujourd'hui accoler leur image à notre sport, alors que peut-être que c'est aujourd'hui l'un des, des sports d'abord les plus novateurs dans la lutte contre le dopage et certainement le plus sérieux, l'un des plus sérieux. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est quand même que les partenaires, notamment en France, qui sont venus à côté des équipes sont des partenaires qui restent fidèles. C'est le cas de Cofidi, c'est le cas de la Française des Jeux, c'est le cas d'Ageux de des La mondiale. Donc si ces partenaires restent longtemps aux côtés des équipes, c'est que je pense qu'ils considèrent eux-mêmes que le travail, notamment en termes de lutte contre le dopage, est un travail efficace et sérieux.